Allez, salut tout le monde, salut les bidules. Alors, souvenez-vous, la dernière fois, j'avais fait mieux que d'habitude, ce qui m'a étonné. Deux manches, deux fois premier. Alors, ici, bah voilà, un premier, 30. Championnat pilote, 60. Voilà, j'en avais eu un mail, je me souviens plus. D'accord, j'étais 5, ah ouais. Allez, calendrier, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Carte One UK National. Hop, allez, c'est parti. On va essayer de faire aussi bien que la dernière fois. Oh non, non, j'aime pas ce circuit-là. J'aime vraiment pas. Mais bon, on va essayer. Évidemment, si j'appuie pas sur la palette, il passera pas la vitesse. Non, pas dans l'herbe. Voilà, un petit peu large là. Ah, les bidules. Ça vibre dans ce virage-là, hein, c'est dingue. Allez, on lui fait l'intérieur, poliment. Comment il fait pour accélérer là dans les virages? Ils font jamais d'erreur, hein, c'est problème aussi ça. Hop là, un peu trop vite. Mais ça t'apprendra à me fermer la porte. Un peu plus difficile que la dernière fois.
Ça met un peu de piment à la course. Ça, c'était beau. Tout maintenant, c'est de garder la tête sur les épaules et la tête de la course. Allez, bidule, contrôle. Pas trop quand même. Ça n'en finit pas les tours. Et voilà. Eh ben, c'était plus dur que la fois passée. 2 secondes seulement. Dis tout, d'accord, c'est ça que c'était long. Allez, c'est parti. Continue vers la course 2. Tête de course. Ouf, 15 tours. Pardon. Il faut essayer de prendre un peu d'avance, parce que sinon, la moindre bêtise, on est dépassé. Alors, concentration.
Eh merde. Colle aux fesses, hein. Pire que de la glu. Allez, bidule. Hop là. Quand on veut faire de trop, qu'on pousse la pédale à fond, c'est ce qui arrive. On part en tête à queue. Les virolos, les virolos. Non, à chaque fois. Allez, lève le pied un peu. Prends plus de risques, ils sont loin. Lève pas trop quand même. Allez, bidule, digère la fougère. Regarde devant.
Ça semblait long, 10 tours, mais 15, fouf, ça n'en finit plus. Non. Oh là là, me rattraper, dis donc. Allez, on concentre. On fait plus de conneries. Fini de gérer, on fonce. Quel boulevard que je leur ai mis. Allez, à fond, on y va. Je sais qu'il y en a qui en ont un peu marre d'avoir des cartes. Mais j'ai pas le choix. Ça fait partie de la carrière. Allez, tourne. Et non, pas dans l'herbe. Ouf. Ah là là, 5 secondes. Comme quoi, il fallait pas que je me repose trop sur mes lauriers. Continuer. Bidule est dans la place. Deuxième place, Trevor Joseph. Un beau trophée. Alors, 90 points. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Distinction argent obtenue pour avoir remporté l'événement Carl One UK National. C'est un nouveau message, ok. Invitation de Jet Dog, ok. Je suis invité partout, quoi. Hop. McLaren F1 Trackmaster 3 HR Trophy. Notre célèbre ingénieur de puce est en copie. Ouais. Nous participons à l'événement annuel McLaren F1 Trackmaster. D'accord. Ah, désolé. Marchand ambulant qui passe.
ne peux pas l'interdire de faire son travail. Alors... Ouais, c'est tout bon, ça vous suffit maintenant, bidule. Fais faire les sceptiques avec... Fêter, pardon. Avec la troisième victoire à la suite, bah oui. Waouh, hein, Robert Bidule a gagné. J'adore. Bon allez, on y retourne au calendrier. Coupe GT5 320 Turbo. Historique. Essai. Eh ben, on va essayer, puisque c'est un essai. Si c'est un essai, on va essayer donc. Neuf virages, 2 miles 40 de Royaume-Uni. Yes. Ok. Et c'est... Ben on va conduire. Je suis pas mon dernier, forcément. Ben. Ah oui, Ruf. Allez, directement dans une Porsche. Ben. Fou. En première. Après la première, c'est la deuxième. Hein. Voilà, ça commence fort. Désolé, j'ai cherché le bouton pour redémarrer le moteur. Ici, c'est pas aux palettes, c'est changement de vitesse. Ça tombe moins vite qu'un kart, hein. Il y a tous les genres de véhicules ici. Ça, c'est quand on regarde dans le rétro. Allez, poussive. Tu peux le faire. Tu peux le faire, mais pas comme ça. C'est ça, pousse-moi, toi, je te dirai rien. Je me trompe encore, c'est pas les palettes, c'est les boîtes à vitesse. Voilà, on s'habitue aux cartes et après. Tourne à bon sens. Ouah, les vibreurs, ça pardonne pas.
Bonjour le bac à sable. Je découvre le bouton. C'était trop beau. Excuse-moi l'ami. Mon volant ne réagit pas comme il devrait. Change de vitesse, ça ira mieux aussi. Mais pourquoi elle tourne pas? Elle glisse trop au freinage. Bon, ben on va rentrer au stand. Si je trouve l'entrée du stand. Ouf, ça surprend. Stand occupé pour le moment, non mais oh.
On va faire ça directement. Voilà, c'est ici qu'on se quitte. Je vais regarder mon réglage volant pour la prochaine fois. J'espère que ça sera mieux la prochaine fois. Parce que la différence entre le kart et la voiture, c'est que le kart, à peine tu tournes, il tourne quoi. La voiture, c'est un peu plus long. J'ai l'impression de conduire mon camion dans ETS, donc c'est pas possible. Allez, je vous quitte là. Je vous dis merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Tous les commentaires, les bons conseils sont les bienvenus, surtout les bons. Pour me permettre de m'améliorer, s'il y a des choses à améliorer, je suis sûr qu'il y en a. Pardon. Et bien voilà, je vous quitte, portez-vous bien, je vous dis bye bye, aimez, commentez, n'hésitez pas. Allez, salut, à la prochaine.